Retrouvez les cordons bleus sur Besançon TV tous les lundis avec France Bleu Besançon. Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons réaliser des griottes confites au mélomel et boutons de rose avec des bûchettes caramélisées fourrées à la crème chantilly pistachée. Pour réaliser cette recette, j'ai invité Dominique Dott, qui est apiculteur à Aubonne. Bonjour, Dominique Dott, apiculteur à Aubonne, à l'Abbaye du Haut-Doubs. Depuis une vingtaine d'années, nous avons un écomusée où les touristes et les gens du coin, tout le monde, peut venir voir les abeilles, découvrir ce monde fascinant. Les miels que nous produisons sont uniquement dans la Franche-Comté, hein, principalement Haute-Saône et Doubs, donc acacia, pissenlit, toutes fleurs de printemps, toutes fleurs d'été, tilleul, sapin. Donc je fabrique aussi de l'hydromel, un produit 100% naturel qui est obtenu par la fermentation du miel. Et j'ai mis aussi au point avec un ami, Denis Monneret, de l'hydromel aux fruits. Mes produits, eh bien, on les trouve donc à Aubonne, hein, au lieu dit La Creuse, tout en haut de la vallée de la Loue, vers les sources de la Loue là-bas. Pour réaliser cette recette, il vous faut des griottes, des griottines de fougerolles, du mélomel, de la confiture de cerises, du poivre sauvage Vancy, des roses séchées, un petit peu de décor en sucre. Il vous faut également du beurre, du glucose, du sucre semoule, de la farine et de la cardamome verte moulue. Et pour terminer, de la crème liquide, du miel de sapin et des pistaches moulues. Pour réaliser cette recette, vous allez commencer par couper les griottines en deux. Mettre dans une casserole le mélomel, ajouter la confiture, les boutons de rose, le poivre, les griottes et griottines. Laisser compoter pendant 20 minutes environ. Puis mettre en attente au frais. Fondre ensemble le beurre et le glucose. Ajouter le sucre, la farine tamisée et la cardamome verte. Bien mélanger et refroidir. Préchauffez le four à 200 degrés, vous façonnez des petites boules de pâte, vous les déposez sur une plaque anti-adhésive, attention de bien les espacer, et mettre à cuire jusqu'à coloration dorée. Puis sortir la plaque, laisser refroidir une minute et les mouler sur un petit rouleau pour obtenir des bûchettes. Montez la crème, ajoutez le miel et la poudre de pistache, garnir une poche avec douille et fourrer les bûchettes. Comment dresser ? Dans des assiettes creuses, vous déposez les griottes confites, vous ajoutez la tuile fourrée de crème chantilly à la pistache et vous parsemez de fin décor au sucre tout autour. Le petit conseil du chef, faites très attention à la cuisson de vos bûchettes, qu'elles ne soient pas trop caramélisées sous peine d'être très amères. Cette semaine, je vous recommande un livre un peu technique, c'est « La cuisine simplifiée » des éditions BPI. Un livre qui sert de base aux jeunes professionnels et qui sera pour vous un vrai guide pour réaliser vos recettes. La cuisine expliquée pas à pas, à réserver à ceux et celles qui sont déjà initiés.